Bon, alors, petite vidéo pour vous expliquer comment gérer les menus. Alors, sur le site, pour l'instant, on vous a préparé deux menus. Le menu supérieur, qu'on a déjà parcouru dans une vidéo précédente, et le menu inférieur, ici, menu 2, qui, pour l'instant, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vraiment pour vous permettre d'adapter ça. Alors, comment ça se passe? Vous allez dans votre tableau de bord pour éditer le menu. Et dans Apparence, vous allez voir un sous-menu qui s'appelle Menu. Là, vous avez accès aux deux menus, donc le menu principal et le second menu qui s'appelle le second menu. Alors, c'est assez facile d'éditer les pages. Donc, par exemple, si je veux inverser deux éléments, donc on va aller sur le site. Hein, hop. Je vois ici projet, puis projet 2, projet 1. Je suis pas heureux parce que je préférerais avoir projet 1 au-dessus. Et donc je vais inverser et je glisse. Donc je clique et je glisse projet 1 au-dessus de projet 2. Et c'est magnifique. Même chose ici, il y a deux pages d'exemple. Je clique dessus pour effacer le second. Je clique sur retirer. Je n'oublie pas de faire enregistrer le menu. Je mets à jour ici et c'est magique. J'ai projet 1, projet 2. Et voilà, ça a bien été mis à jour comme on voulait. Projet 1, projet 2. Alors, pour rajouter des nouvelles pages, imaginons que j'ai créé une page qui s'appelle la carte de transition, qui en fait se trouve déjà dans Initiative locale, mais voilà, nous, dans notre initiative, on a envie de mettre cette carte dans À propos. Ça n'a pas plein de sens, mais c'est pas grave. On la sélectionne, la carte de transition, je l'ajoute au menu. Alors là, il faut savoir que c'est rajouté, mais tout en bas. Et donc, je vais glisser cette nouvelle page dans la section À propos, par exemple, tout en bas. J'enregistre. Regardons ce que ça donne. À propos, génial, j'ai la carte de transition qui se trouve bien là. Et on peut même faire des menus de menus. Enfin, des sous-sous-menus. Charter organigramme, voilà. Alors, je vais effacer ce que je viens de faire. Et alors, on a vu aussi qu'il y a un deuxième menu qui se trouve tout en bas de votre site. Sur toutes les pages, vous allez sur n'importe quelle page, vous verrez ce second menu tout en bas. Et donc, on va l'éditer. Ici, second menu, sélectionner. Et voilà, je vois les deux éléments. Et donc, je peux par exemple rajouter la page contact. Et c'est le même principe que le premier menu. Ok, j'enregistre. Et je peux sélectionner là où est-ce que je veux qu'il se trouve ce second menu. J'enregistre. Et si je mets à jour. Magique, j'ai ici contact. Alors, menu 2, c'est pas très cool. Gérer les emplacements. Voilà, là, je sais pas comment changer le mot menu 2. Peut-être je teste avec personnalisé. Donc là, je suis en train d'éditer le thème. Pied de page. Ah oui, c'est ça, c'est. Je pense que c'est dans les widgets. Donc on était à apparence menu. Et vous voyez que juste au-dessus d'apparence widget. Widget, c'est les petits cadres qui se trouvent à gauche, à droite dans le site web. Ah voilà. Et donc ici, c'est tous les widgets qui sont disponibles sur le site. Je suis allé dans la première zone de widget du pied de page. Et là, je vois le menu de navigation menu 2. Et je vais l'appeler. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Résumé. Ou même rien du tout. On va pas l'appeler du tout. Et donc je laisse ça blanc. Et du coup. Hop. Et on pourrait pas mettre des trucs qui sont vraiment pour notre site, plutôt que de mettre n'importe quoi, tu vois, on pourrait mettre, je sais pas, réfléchir. Et pour l'instant, voilà, il n'y a plus de titre, mais j'ai bien les trois éléments de mon menu. Voilà pour la petite vidéo sur les menus.